Donc on a envie d'activer cette fin de cycle-là, de sortir du bocal. Moi je vois un bocal ici, on a envie d'en sortir, de s'élancer de sa tour là, sans parachute, parce que c'est le noir complet, il n'y a même plus de lumière là-dedans. Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre une petite lecture intuitive, spontanée, je ne sais pas de quoi nous allons parler. On parle d'un temps calme, d'un temps de recul, d'un temps de repos. Ah bon? Afin de découvrir le trésor. Il y a quelque chose à faire émerger de nous. Sous la surface se cache une grande richesse. Quel est votre talent, votre don? Quel est ce trésor à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore découvert? Et on me parle bien de recul ici. Trouver le ou trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Donc là, on s'isole un petit peu afin de chercher à l'intérieur de soi. Donc on me parle bien d'une période de retrait, de recul. Trouver un petit... Un sanctuaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est... une zone où on se sent protégé. On ne se laisse pas assaillir par l'énergie environnante. On est avec soi-même, on s'enferme peut-être un petit peu dans sa tour. Mais c'est parce qu'on en a besoin. Très bien. Alors, on continue avec le psychique. Qu'est-ce qu'on attend avec le psychique? Ah oui, d'accord. Bon. Alors, l'idée, c'est... c'est d'y aller volontairement et pas de s'y enfermer non plus. On a des personnes qui sont en surprotection, qui s'isolent parce que, en fait, elles pensent que c'est ce qui est bon pour elles, mais ça devient une prison. Ça, c'est de la surprotection parce qu'en fait, on a peur. Donc on reste dans cette tour et on s'y est enfermé. Donc pour des personnes, ça va parler différemment. J'ai envie de calme, j'ai envie de repos parce que je sens que j'ai quelque chose à faire émerger. Et puis pour d'autres, c'est j'ai envie de calme, j'ai envie de repos parce qu'en fait... le monde extérieur me fait peur ou j'ai peur de moi-même dans ce monde extérieur. Je me sens peut-être pas compris, donc je m'enferme dans mon truc. Mais je suis pas heureux parce que j'ai fini par je me surprotège. Donc deux visions différentes d'une même énergie. Ce temps de recul, il peut être pris... C'est l'idée de la solitude bien vécue ou l'isolement, carrément. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez la nuance? On me parle de nouvel amour. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Encore une fois, deux
deux énergies différentes. Pour certains, ce besoin de retrait, de repli sur soi, c'est peut-être pour se redécouvrir, se re-aimer, en trouvant quelque chose de nous qu'on n'avait pas découvert. Tiens, mais je savais pas que je savais faire ça, ou je savais pas que j'avais ce don d'écoute pour les autres. Ça me rend riche. Ça, je trouve que j'avais pas remarqué ça en moi. C'est une forme de don. Je suis douée pour écouter les gens, par exemple, ou je suis riche de ma joie de vivre. J'avais pas compris que ça pouvait aider d'autres personnes aussi. Ou alors je suis créatif, j'ai un talent artistique, ok. Donc un nouvel amour pour soi, un nouvel amour pour une passion créative. Et puis pour d'autres, on peut me parler de sentimental. On a peut-être des sentiments pour quelqu'un, mais on se protège. On est dans une surprotection. La peur d'ouvrir son cœur ici. On a peur d'ouvrir son cœur. Comme si notre cœur était dans une tour d'ivoire, inaccessible. Ok. Ouais. Il y en a des personnes qui sont pas bien, hein. Souffrir en silence. Ouais. C'est intéressant parce que moi je vois ce décor là et là. Alors de temps en temps, à la tombée de la nuit, on sort sur le balcon et on observe le décor. Oh putain, qu'est-ce que j'en ai marre d'être dans ma prison. Pour certains, on a des gens qui s'enferment dans une prison dorée, une cage dorée. Par peur d'ouvrir le cœur. Ok. Et avec le chakra du troisième œil, on m'explique que tout ça, c'est pour une meilleure compréhension globale. Le chakra du troisième œil, c'est un alignement de nos pensées et de nos intuitions. Tout s'éclaire avec le troisième œil. Tout ce qu'on ne voit pas devient visible. Les choses enfouies en nous deviennent visibles, deviennent accessibles. Est-ce qu'on a des personnes ici qui comprennent, encore une fois, qu'elles ont un talent, un don, quel qu'il soit, qui se découvrent une passion, et puis d'autres qui comprennent qu'en fait, elles ne sont pas heureuses parce qu'elles n'osent pas ouvrir leur cœur. Ok, je vais prendre des tarots. Ah non, alors attendez, je dois prendre ça d'abord. On a peur de donner là. On a peur de donner de l'amour. Ok. Ouais. On est en train de comprendre ici. Il y a une analyse mentale ici qui est en train de se faire. On cherche à comprendre pourquoi je suis enfermée dans... C'est une forme de camisole, là. Pourquoi j'arrive pas à me tourner vers l'extérieur? Pourquoi j'arrive pas à parler avec mon cœur? Pourquoi j'ose pas? Je cherche à comprendre. Je veux comprendre. Je veux sortir de ce truc.
Donc, je me pose des questions essentielles. Des questions existentielles. Des questions essentielles sur mon existence. Existentielle. Parce que là, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'eau. Ici, j'ai une oasis. J'ai un truc fabuleux. Et là, on a un truc aride et on est en train de s'assécher. Bon. Elle est où mon oasis? Qu'est-ce que je fous enfermée dans ma tour? Enfermée dans mes peurs? Pourquoi j'ouvre pas mon cœur? Qu'est-ce qui me fait si peur? En fait, c'est ça. Je cherche qu'est-ce qui me fait si peur. Je dois passer au-dessus de ça. Je dois comprendre. Parce que là, je suis dans le sacrifice de moi-même. On se fait du mal, là. On se fait du mal tout seul. On a le cœur qui saigne. On se plante des trucs, là, douloureux. Pas marrant, cette lecture. Je cherche à comprendre pourquoi je suis... Pourquoi je me sacrifie? Pourquoi je m'enferme dans ce truc-là qui est devenu... c'est plus une zone de protection. Ah oui, c'est un sanctuaire. Mais là, c'est trop. On a des gens qui sont complètement enfermés sur eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et qui, je pense, finissent par tourner en rond. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace là-dedans. Hein. Une fois que tu as fait le tour du cône, j'ai envie de dire, tu peux le faire dans un sens, tu peux le faire dans un autre. Le décor, finalement, il ne change pas beaucoup. Hein. Donc, on a envie d'activer cette fin de cycle-là, de sortir du bocal. Moi, je vois un bocal ici. On a envie d'en sortir, de s'élancer de sa tour, là, sans parachute. Parce que c'est le noir complet. Il n'y a même plus de lumière là-dedans. On a tout éteint. Donc, c'est pas folichon, folichon, cette lecture. Je suis bien navrée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends un conseil avec le Mathéès. Et après, je vais vous quitter. Qu'est-ce qu'on a comme conseil avec le Mathéès, s'il vous plaît, pour nos amis d'Arteus Tarot qui suivent cette lecture? Oui, bon, sortir de cette emprise. Là, le conseil, il est clair. Vous êtes sous l'emprise de vos propres peurs. Le diable vous manipule. Le diable que vous avez sur votre épaule, là, il vous dit « Mais non, ne fais pas ça, ne sors pas, reste dans tes peurs, ça m'arrange. » Donc là, on est manipulé par soi-même. On a peur. Ou de faire émerger un talent. Ça veut dire peut-être de s'exposer. De sortir au grand jour. Ou alors de dire son amour. On a la trouille, on a peur. On a peur. On se fait manipuler par ses craintes, par ses projections. C'est l'énergie du diable, voilà. On est sous emprise. Donc, le conseil ici, c'est clairement de lui casser la gueule à ce diable, hein. On parle d'homme. De vous mettre en action. Je prends les choses en main aujourd'hui. J'ôte mes lunettes. Où je vois rien à travers. Il a des lunettes, celui-là, on ne sait pas pourquoi. C'est pas pour y voir. Hein. Je suis navrée, mais là, on regarde le ciel en espérant un... Eh ben justement, la lumière.
Bah oui, mais si tu veux voir la lumière, ôte tes lunettes, parce que là, tu vois rien du tout, mon grand. C'est plein de... Je sais pas. C'est des lunettes qui en verre fumé. Donc l'idée, c'est... Je prends les choses en main. Je passe à l'action. Je passe à l'action pour voir les choses sous un autre angle, pour faire avancer ma vie et sortir de cette prison là mentale où cette situation cache dorée et en fait je suis pas bien dedans, où je sors de mes peurs parce que j'ose pas montrer ma richesse et je coupe les cordes. Je coupe ceux qui m'enchaînent. Ben là, je veux dire, la lecture, elle est claire. Pourquoi je n'ose pas agir? Parce que je me sens ligotée. Mais ici, pour moi, on m'explique qu'on est ligoté tout seul. C'est... J'ai pas l'impression qu'on soit ligoté dans une situation. Et quand bien même, quand on se sent bloqué dans une situation, c'est parce que d'abord, dans son esprit, on n'a pas trouvé la clé. Si on n'est plus bien dans une situation, bah on en sort. Donc, si là, on a des gens qui n'arrivent toujours pas à sortir d'une situation, c'est parce que dans leur esprit, d'une certaine manière, ils préfèrent rester enfermés parce que c'est connu. Ça, au moins, je connais. Ah, bah ça, le tour de ma cellule, je le connais par cœur. Au moins, je connais. Dehors, c'est dangereux. Je veux pas y aller. Je préfère rester les mains liées. Donc le conseil ici, c'est comprenez que le diable vous manipule, le diable vous enchaîne, vous enferme dans cette putain de prison de peur, d'angoisse, de projection inutile du « j'y arriverai jamais », du « c'est pas possible », de « la vie est dangereuse », de « il faut mieux rien tenter parce qu'on sait jamais ». Donc là, on s'empêche de vivre, clairement. On s'empêche de vivre, on s'empêche de donner de l'amour, d'exprimer de l'amour, de... On s'empêche de s'aimer, soi, déjà, premièrement. Donc si vous voulez un dernier conseil, peut-être faites appel à vos guides pour qu'ils vous montrent le chemin de la lumière. Vous pouvez faire une petite prière ou un petit rituel ou un petit quelque chose. Et un dernier conseil avec l'oracle de la lune. Allez. Un petit dernier conseil, mes chers amis. Si cette lecture vous parle, qu'est-ce qu'on vous dit-on? Voyez la beauté en vous. Vous êtes riche de quelque chose. Vous ne voyez pas à quel point vous êtes beau, belle. Je ne parle pas physiquement, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire. Elle est où, votre richesse intérieure? Pourquoi vous la cachez? Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer sous votre naturel? Quel est ce naturel que vous cachez? Pourquoi vous... Pourquoi vous gâchez, là? Libérez-vous. Libérez-vous. Osez briller. Osez lâcher votre cœur. Regardez-moi tous ces papillons qui sortent, là. Du tout le corps de cette personne. Libérez-vous, osez être libre. Voilà, mes chers amis, je vous retrouve bientôt pour d'autres lectures. ArteusTarot.com, si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot.